Bonjour à toutes et à tous sur la route des crêtes. Il est maintenant l'heure de retourner au Tour de France, mais non pas au Tour de France des hommes, mais bien celui des femmes qui s'est conclu ce dimanche. Dans cette vidéo, donc, on va faire notre débrief habituel avec le résumé des étapes, puis le bilan à retenir, un petit résumé des principaux éléments de la course qui ont marqué les 8 étapes de ce Tour de France femmes, avec le classement général, les maillots distinctifs et la course en elle-même. C'est donc parti pour le résumé de ce Tour de France femmes qui est parti cette année de Clermont-Ferrand et non pas des Champs-Élysées comme en 2022. Au programme sur cette première étape, une étape assez punchy avec surtout la fameuse côte de Durtol qui était là pour faire la décision et permettre aux attaquantes du jour de s'extirper du peloton. C'est exactement ce qui s'est passé ce dimanche là, justement, excusez-moi, je ne me rappelle plus de la date exacte, puisque c'est la Belge Lotte Kopecky de la SD Works qui est partie à 500 mètres du sommet et qui a placé un énorme démarrage que personne n'a été capable de suivre. On pouvait attendre plutôt une attaque de Demi Vollering pour l'équipe SD Works, puisque on rappelle que la Néerlandaise a effectué cette année le triplé Ardennais, donc en remportant l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais elle n'a pas été à l'offensive sur cette première étape et a même été dans un rôle d'équipière pour Lotte Kopecky, alors qu'elle aurait pu essayer de grappiller du temps sur ses principales concurrentes qui sont peut-être moins à l'aise sur un terrain punchy. C'est donc Lotte Kopecky qui a été à son avantage dans cette côte de Durtol et qui l'a passé en tête, donc se garantissant le port du maillot à pois le lendemain. Elle a rapidement créé un petit trou d'une bonne vingtaine de secondes, mais derrière, le groupe de poursuivantes n'a jamais su s'entendre et bien s'organiser. On a eu des passages de relais assez capricieux, certaines tentatives d'attaque pour lancer un contre, notamment de Kajia Nevjadoma, la polonaise de la Canyon SRAM Racing. Et c'est finalement donc une femme seule qui est arrivée à Clermont-Ferrand. Contrairement au sprint des Champs-Élysées en 2022, c'est donc une victoire en solitaire qui a ouvert le bal dans ce Tour de France femmes avec la championne de Belgique Lotte Kopecky qui a pu lever les bras sur la ligne d'arrivée et s'offrir donc le port du premier maillot jaune avec plus de 40 secondes d'avance sur le petit peloton qui s'est joué la deuxième place qui a justement même été remportée par sa coéquipière Lorena Wiebes, la championne d'Europe. Le lendemain, les choses sont reparties de plus belle avec à nouveau un parcours plutôt vallonné, très accidenté et casse-pattes qui était propice à des grandes offensives et à des écarts, surtout si une fille n'était pas en forme. Finalement, c'est au sprint qu'a été jugée la victoire d'étape à Mauriac, puisque aucune fille n'a été capable de prendre un avantage suffisamment conséquent sur ses adversaires. La SD Works de la maillot jaune Lotte Kopecky a vraiment été à la planche sur cette étape pour contrôler les différentes attaques et protéger ce maillot jaune de Lotte Kopecky, visant donc une arrivée au sprint, puisqu'on connaît la pointe de vitesse de la Belge. C'est à nouveau Marlène Reusser et Demi Vollering qui se sont muées en équipières pour la championne de Belgique, même si cette fois Lotte Kopecky n'a pas été capable de s'imposer, puisqu'au sprint, elle a été battue par une autre coéquipière de grande favorite, la championne d'Allemagne, Liane Lippert, pour la Movistar Team, la coéquipière de la championne du monde, Annemiek van Vleuten, qui a eu sa carte sur cette seconde étape à Mauriac et qui a su faire parler sa pointe de vitesse pour s'imposer devant Lotte Kopecky et Sylvia Persico à l'arrivée. On peut probablement aussi attribuer la défaite étonnante de Lotte Kopecky à son choix de sprinter avec les mains au niveau des cocottes, ce qui réduit grandement la vélocité d'une coureuse au cours de l'effort final. Le lendemain, les choses ont été bien plus calmes puisque c'était une étape qui était réservée aux sprinteuses entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux. Après
un vrai bras de fer avec les échappés. C'est donc un sprint qui s'est joué à Montignac-Lascaux, même si les sprinteuses ont failli voir la victoire leur filer sous le nez, puisque la dernière rescapée de l'échappée, Julie Van de Velde, a été reprise à 300 mètres de l'arrivée grâce à un travail énorme de la maillot jaune Lotte Kopecky, qui a même été capable de terminer troisième de l'étape alors que son effort a été réalisé sur plus de 500 mètres pour reprendre l'échappée, plaçant à la perfection sa coéquipière Lorena Vibes, déjà deuxième au cours de la première étape. La SD Works a encore fait mouche à Montignac-Lascaux au cours de la troisième étape, permettant de s'offrir sa seconde victoire d'étape et donc d'offrir justement la victoire et le succès à sa sprinteuse Lorena Vibes devant l'ancienne championne du monde Marianne Vos. Le lendemain, cette fois, l'échappée n'a pas été reprise sur le fil puisqu'elle est bien allée au bout. C'était un groupe assez conséquent qui est allé à l'avant entre Cahors et Rodez avec plus de 10 filles qui ont pris les devants. Parmi elles, on a retrouvé certaines femmes très bien placé au général, comme Audrey Cordon-Rago ou Yara Castelain, qui était à seulement 3 minutes. Le peloton a semblé un temps laisser filer cette échappée à la fois pour la victoire d'étape et le maillot jaune en leur laissant plus de 10 minutes d'avance. Mais finalement, l'équipe SD Works a un peu changé ses plans et a repris le contrôle de cette course pour très vite réduire l'écart et mettre à l'abri le maillot jaune de la Belge Lotte Kopecky. Un maillot jaune qu'on a même vu attaquer dans la côte de Moirazé à peu près 20 km de l'arrivée pour justement protéger ce maillot et peut-être même prendre un coup d'avance sur ses concurrentes meilleures grimpeuses. Puisqu'on rappelle tout de même que Lotte Kopecky n'est pas une grimpeuse, mais plutôt une puncheuse et surtout une très bonne coureuse sur les classiques d'un jour, puisqu'elle a été la récente vainqueur du Tour des Flandres cette année. Finalement, c'est donc l'échappée qui s'est jouée la victoire et la plus forte de ce groupe de tête, Yara Castelain, qui s'est extirpée également dans la côte de Moirazé et qui a tout de suite créé un écart sur ses principales concurrentes et surtout sur Audrey Cordon-Rago qui était parti à sa poursuite, réussissant à garder un écart assez important avec le groupe des favorites. Elle a pu lancer le bal des échappées sur ce Tour de France, puisque vont suivre encore deux victoires des coureuses qui ont piégé le peloton. Derrière, l'explication entre les favorites a tout de même eu lieu, avec plusieurs attaques dans la côte de l'Averne, avec notamment une offensive de la championne du monde Annemiek van Vleuten, mais surtout dans la dernière montée dans la ville de Rodez, c'est la Néerlandaise Demi Vollering qui s'est montrée la plus forte des favorites, en allant non seulement chercher la deuxième place et les 6 secondes de bonification, mais également en creusant un léger écart de 2 secondes sur la ligne sur ses principales concurrentes et notamment donc sur la tenante du titre, la dernière vainqueur du Tour de France, Annemiek van Vleuten. Le lendemain, malheureusement pour elle, Demi Vollering a perdu tout cet avantage et elle a même pris un certain retard sur ses principales concurrentes. Entre Honnay-le-Château et Albi, la Néerlandaise, la leader de l'équipe SD Works, a été pénalisée de 20 secondes pour s'être abritée derrière la voiture de son directeur sportif pour revenir dans le peloton après une crevaison. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une échappée qui s'est encore joué la victoire à Albi et c'est même une fille en solitaire qui est arrivée dans les rues d'Albi et qui a pu lever les bras sans trop de risques, même si elle ne comptait plus que 22 secondes sur sa dauphine sur l'étape Marlène Reusser. L'Allemande Ricarda Bauernfeind qui s'était un peu révélée au grand public sur la dernière Vuelta, la jeune Allemande de 23 ans de la Canyon SRAM, a attaqué dans la côte de Monestier à plus de 20 km de l'arrivée après que l'échappée du jour ait été rattrapée. Elle a su faire jeu égal avec le peloton et avec les équipes de sprinteuses qui, encore une fois, étaient assez mal organisées, comme le montre le fait qu'un groupe de deux
composée de Marlène Reusser et de Liane Lippert, soit sortie dans le final. C'est donc l'Allemande de la Canyon-SRAM Racing qui a pu remporter cette victoire de prestige à Albi, une victoire sur le Tour de France. Avec aucun changement au classement général, les femmes qui jouaient justement la victoire finale, pas à Paris mais à Pau, sont restées tranquillement dans le peloton, à l'exception donc de Demi Vollering. Le lendemain, un scénario assez similaire à la veille, puisque c'est encore une échappée en solitaire qui a remporté la victoire à Blagnac. Cette fois, c'est encore une coéquipière qui a pu lever les bras, puisque c'est Emma Norsgaard-Jørgensen, la Danoise de la Movistar Team, donc encore une coéquipière de la championne du monde Annemiek van Vleuten, qui l'a emportée à Blagnac, en piégeant d'un rien toutes les sprinteuses pour seulement une petite seconde sur la ligne, alors que l'équipe SD Works avait déploré depuis la veille la perte de la championne d'Europe Lorena Vibus, laissant donc le champ libre à la maillot jaune Lotte Kopecky dans les sprints massifs. C'est encore une échappée qui a piégé les équipes de sprinteuses et donc en particulier l'équipe SD Works, qui était un peu marquée par tout le monde dans le peloton, notamment par l'équipe DSM de l'autre sprinteuse Charlotte Kuhl, qui n'est pas passée loin du tout de la victoire sur cette étape de Blagnac, mais devra attendre la prochaine édition de la Grande Boucle pour espérer lever les bras. Le lendemain, les choses sérieuses pour le classement général ont commencé avec cette monumentale étape de montagne, avec au programme le col d'Aspin et surtout le col du Tourmalet à l'arrivée, qui est, il me semble, le premier col hors catégorie du Tour de France moderne, puisque l'année dernière, dans les Vosges, il n'y en avait eu aucun et seulement des cols de première catégorie. C'est donc la bataille pour le général qui a animé cette septième étape, puisque les échappés n'ont pas eu beaucoup de champ entre Lannemezan et le pied du col d'Aspin à Arreau, et ont donc été reprises dès cet instant, dès le pied du col d'Aspin, pour laisser la lutte pour le général prendre toute la lumière. Dans le col d'Aspin, on a pu voir un scénario qu'on n'attendait pas forcément, avec dès ce premier col des attaques de favorites et surtout des favorites des grands noms, puisque ce sont Annemiek van Vleuten, Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma qui ont pris les devants dans ce col d'Aspin, avec une attaque qui a été initiée justement par la championne du monde de la Movistar à 5 km du sommet de ce col de première catégorie. Elles ont très vite compté une avance d'une trentaine de secondes sur les autres favorites, mais un événement assez surréaliste est intervenu dans la descente du col d'Aspin. Alors que l'entente semblait plutôt bonne entre le trio de tête, c'est une fille seule qui est partie à l'avant, Katarzyna Niewiadoma, puisque les deux Néerlandaises qui l'accompagnaient ont décidé de se relever, ne voulant pas collaborer l'une avec l'autre et attendant les autres favorites. À Sainte-Marie-de-Campan, le pied du col du Tourmalet, c'est donc la Polonaise de la Canyon-SRAM, Katarzyna Niewiadoma, qui a abordé l'ascension finale en tête avec près d'une minute d'avance. Elle a longtemps cru pouvoir jouer la victoire d'étape, puisque les équipières manquaient dans ce groupe de favorites, mais quand les ultra favorites de ce Tour de France ont lancé les dernières hostilités, ses chances de victoire ont été réduites à néant. Alors que c'est Annemiek van Vleuten qui avait attaqué dans le col d'Aspin, c'est son ancienne dauphine du Tour 2022 qui est passée à l'offensive dans le col du Tourmalet, en plaçant une très grosse accélération à 3 km du sommet et en lâchant immédiatement toutes ses concurrentes. La néerlandaise de l'équipe SD Works est revenue sans grande peine sur la femme de tête Katarzyna Niewiadoma et l'a déposée tout de suite, presque sans aucun regard, pour filer vers la victoire d'étape. Une victoire assez confortable puisque les écarts créés sur la ligne par les néerlandaises sont vraiment très conséquents, avec 1 minute 58 donc sur la deuxième de l'étape, Niewiadoma, qui s'est donc emparée de la deuxième place du général également. Puis derrière, plus de 2 minutes sur les autres favorites. Annemiek van Vleuten n'a donc fini que troisième à 2 minutes 34
de la vainqueur du jour. Et derrière, Ashley Moulman Passio et Juliette Labousse ont fini à peu près à 2 minutes 45 d'Emmy Vollering. Avec cette réelle démonstration de force, la maillot jaune d'Emmy Vollering, pardon, la néerlandaise d'Emmy Vollering s'est logiquement emparée du maillot jaune de sa coéquipière Lotte Kopecky. La Belge qui est tout de même restée très bien placée au général avec une très belle montée du Tourmalet puisqu'elle est restée sixième à seulement 11 secondes de la troisième Annemiek van Vleuten. Les choses étaient donc après, les écarts étaient assez importants pour la victoire au général avant le contre-la-montre final de Pau, mais le suspense est quand même resté pour les places sur le podium et dans le top 5. Pour la victoire, il n'y a pas eu tant de suspense que ça, puisque c'est la spécialiste de l'exercice, la championne d'Europe, Marlène Reusser, qui s'est imposée après avoir réalisé un très gros travail pour ses leaders tout le long de la semaine. Elle a vu tous ses efforts récompensés au cours des 22 km qui étaient à parcourir dans Pau pour cette huitième et dernière étape du Tour de France, en profitant de l'absence de très bonnes rouleuses comme la championne du monde, notamment Hélène Van Dijk. Elle n'a pas eu trop de mal à s'imposer, puisqu'elle l'équipe SD Works a même marqué un triplé sur cette étape avec la deuxième place de Demi Vollering qui a probablement un peu levé le pied dans le final pour profiter de ses derniers instants en jaune avant de jubiler pour la victoire finale de ce Tour de France. Derrière, c'est même la Belge Lotte Kopecky, toujours aussi impressionnante, qui allait s'emparer de la troisième place de l'étape devant Grace Brown et Rejane Marcus pour FDJ et Jumbo. Le bilan pour le général, donc, il est assez clair puisque Demi Vollering a complètement survolé les débats comme Annemiek van Vleuten la saison précédente, avec plus de 3 minutes d'avance sur sa coéquipière Lotte Kopecky et tout autant d'avance justement pour la troisième du général Katarzyna Niewiadoma, puisque la deuxième et la troisième place sur ce podium se sont disputées à quelques dixièmes sur le contre-la-montre. Derrière, on retrouve tout de même la tenante du titre, Annemiek van Vleuten, à la quatrième place et la première française, Juliette Labousse, à la cinquième place. Les dernières positions de ce top 10 étant prises par Ashley Moulman Passio, Cécilie Uttrup-Ludwig et enfin en 8e, 9e et 10e place, Anna Santesteban, Ricarda Bauernfeind et Amanda Sprat. Ce qu'on va retenir donc le bilan de ce classement général, c'est la surdomination de Demi Vollering pendant ces 8 étapes, même si elle a quelque temps travaillé pour Lotte Kopecky au cours des deux premières étapes. Elle a ensuite joué sa carte personnelle, d'abord à Rodez sur la quatrième étape en montrant qu'elle était la plus forte des favorites, même si le terrain lui convenait davantage, mais surtout sur les pentes du Tourmalet où elle a réellement construit cette victoire avec une avance vraiment impressionnante sur les autres favorites. Derrière, on va surtout noter également l'un des fils rouges de ce Tour de France, puisqu'elle a porté le maillot jaune pendant plus de la moitié des étapes, c'est la championne de Belgique, Lotte Kopecky, qui a impressionné de sa polyvalence sur ce Tour de France. On la savait avant la compétition, très bonne puncheuse, très bonne rouleuse et très forte sur les courses pavées, mais là, elle s'est vraiment révélée également en montagne, en rappelant un peu chez les hommes un profil comme Wout Van Aert, son compatriote. La Belge qui a donc mener le classement général de ce Tour de France pendant les 6 premières étapes, certes, a laissé filer la victoire pour sa coéquipière Demi Vollering, mais elle a quand même figuré à la deuxième place du général en s'emparant, oui, de cette deuxième marche du podium sur le contre-la-montre pour quelques dixièmes devant Katarzyna Niewiadoma, même si la Polonaise peut quand même se réconforter puisqu'elle a remporté le maillot à pois sur cette édition. Derrière, on retrouve Annemiek van Vleuten, seulement quatrième hors du podium, ce qui est un peu la surprise de ce Tour de France. Elle est un peu
loin du compte, puisque la Néerlandaise a quand même remporté le dernier Tour de France, mais aussi le Giro et la Vuelta féminine cette saison. Elle était donc sur une série de trois grands tours disputés et trois grands tours remportés, mais sur ce Tour de France, elle a peut-être payé son manque de fraîcheur, puisque en comparaison avec Demi Vollering, qui n'a pas participé justement à ce dernier Tour d'Italie, elle a peut-être perdu un peu beaucoup de temps à cause de cette fraîcheur, à cause de toute cette fatigue accumulée sur les derniers mois, et elle n'a pas été capable de rivaliser avec les filles devant elle, surtout dans le col du Tourmalet où elle n'a fini que troisième, alors qu'on pouvait l'attendre bien plus haut dans ce classement et surtout au contact de Demi Vollering qui lui a mis vraiment une vraie claque dans ce col du Tourmalet. Enfin, un point assez important, c'est le suspense qui a subsisté jusqu'au contre-la-montre, puisque le top 10 a été un peu chamboulé quand même dans ce contre-la-montre. Par exemple, avant la huitième étape entre Pau et Pau, on a retrouvé à la deuxième place donc Katarzyna Niewiadoma, mais toujours sur le podium Annemiek van Vleuten qui aurait pu sauver son Tour de France en montant sur cette troisième marche du podium. Et pour compléter donc le top 5, Lotte Kopecky quatrième et Ashley Moulman-Pastio cinquième. Non pas comme je l'ai dit auparavant, c'était une erreur. Lotte Kopecky était bien quatrième avant le contre-la-montre. Et tout s'est quand même joué sur le contre-la-montre final, même si la victoire au général était vraiment verrouillée et ne laissait plus présager aucune menace sur la victoire de Demi Vollering. Il y a quand même eu pas mal de changements à ce classement général, avec donc l'obtention de la deuxième place pour Lotte Kopecky, mais aussi la cinquième place pour Juliette Labousse et la septième pour Cécilie Uttrup-Ludwig. Ensuite, faisons donc un bilan sur la course en elle-même et sur les maillots distinctifs. Le maillot vert est assez logiquement revenu à la Belge Lotte Kopecky, qui, grâce à sa polyvalence, a été capable de prendre des points sur toutes les étapes, que ce soit donc sur des étapes accidentées et vallonnées, mais aussi donc en montagne, sur le contre-la-montre et surtout dans les sprints, des sprints sur lesquels elle a ensuite profité de l'absence de sa sprinteuse Lorena Wiebes. La Belge s'est accaparée vraiment tous les points de ce maillot vert dès le début du Tour de France. Elle ne l'a jamais lâché. Derrière, c'est Katarzyna Niewiadoma qui est allée chercher ce maillot à pois. Mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévisible, puisque Katarzyna Niewiadoma n'a pas été la meilleure grimpeuse sur ce Tour de France. Elle n'a pas été celle qui prenait les échappées, comme on pouvait le voir par exemple sur le Tour de France masculin avec Giulio Ciccone. Mais la Polonaise a été très régulière sur ce Tour de France femme et elle a pu passer en tête des différentes ascensions ou en deuxième et troisième place pour grappiller quelques points dès le début du Tour de France en passant deuxième derrière Lotte Kopecky par exemple dans la côte de Durtol le premier jour, mais également en passant en tête du col d'Aspin au cours de la septième étape et en finissant deuxième pardon sur la septième étape au sommet du Tourmalet. La Polonaise a donc été récompensée de cette régularité au cours du Tour de France, même si elle n'est pas toujours passée en tête au sommet des Grands Prix de la Montagne. Enfin, pour le maillot blanc, c'est une Française qui s'est imposée, puisque c'est la championne de France du contre-la-montre, Cédrine Kerbaol, qui a un peu créé la surprise sur ce Tour de France en s'emparant de ce maillot blanc. Un maillot blanc qu'elle a également porté dès la première étape, en finissant dans le groupe des favorites et en faisant une plutôt belle place, même si je ne me rappelle plus exactement de sa position dans le top 10. Elle s'est tout de suite emparée de ce maillot blanc sponsorisé par Liv et l'a gardé jusqu'à la fin de ce tour, même sur le contre-la-montre, en finissant dans le top 15, il me semble, 11 ou 12e. Enfin, c'est quelque chose dont on est obligé de parler, c'est l'extrême domination de l'équipe SD Works. Avant le tour, il y avait même une certaine interrogation sur la possibilité de la formation néerlandaise de s'emparer de toutes les victoires d'étape et de s'imposer donc sur les 8 journées au programme. Ce ne fut pas le cas puisque l'équipe a laissé filer certaines victoires aux échappées, mais elle a quand même été franchement dominatrice sur ce Tour de France
avec quand même 4 victoires sur 8 étapes, donc une étape sur deux au final, et surtout des doublés, des triplés, et surtout se doubler au classement général en plaçant deux filles sur le podium avec non seulement la victoire de Demi Vollering, mais également donc la deuxième place au général de Lotte Kopecky. La formation EasyWorks, on a vraiment senti qu'elle avait la course en main et que les équipes adverses lui faisaient également peser la pression de la course sur ses épaules, mais elle a été capable toute la semaine de contrôler la course, de la maîtriser d'une main de maître et en plus de cela de s'imposer en faisant preuve d'une force et d'une extrême domination sur leurs concurrentes, puisque sur les différents profils, la formation néerlandaise SD Works possédait vraiment les meilleures filles dans tous les cas. Voilà donc déjà terminé ce petit débriefing, ce petit bilan sur l'édition 2023 du Tour de France féminin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement un nouvel épisode du focus que vous avez plutôt aimé sur Tadej Pogacar, mais cette fois, ce ne sera pas le coureur slovène qui sera à l'honneur sur la chaîne, mais bien d'autres concurrents, d'autres adversaires du Slovène qui a donc fini second du général. J'espère que ce petit débriefing vous aura plu, vous aura peut-être aidé si vous n'avez pas été capable de suivre l'entièreté des étapes. On se retrouve très bientôt sur la route des Crêtes.